Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'avais promis, comme je vous avais demandé si ça vous intéressait, vous avez été plusieurs à me dire oui, je viens vous montrer la première avancée de mon pull. Donc c'est un modèle fil d'art. On va reculer le pull parce que voilà Fifi. Donc c'est un modèle fil d'art. Je vais vous remontrer l'image. Oh, bah, elle est partie manger. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc dans ce livre-là, je vous remettrai toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Que je tricote donc avec cette laine. Désolée, c'est écrit à l'envers. Donc c'est le fil Mikado, le fil d'art, et j'utilise la couleur pétunia. Voilà. Alors c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles en numéro 5. Alors un délice à tricoter. Ça va vraiment tout seul. Vous allez voir, j'ai vraiment bien avancé sur. Là, ça fait donc 3 jours que je suis dessus. Alors, d'abord, j'avais fait. Vous rappelez, je ne savais pas quelle taille faire, parce que comme j'avais grossi, je ne savais pas quelle taille faire. Donc, j'avais fait d'abord le 46-48. Et au bout d'une trentaine de rangs, donc à peu près ça, j'ai pris l'ouvrage et j'ai demandé à Chouchou de mesurer dans le bas de mon dos, voir ce que ça allait donner. Il a dit « Oups, c'est juste !» Et effectivement, ça faisait vraiment beaucoup trop juste. Déjà au niveau du dos, voilà, puisque c'est un pull qui va aller jusqu'aux fesses. Et donc j'ai démonté les 30 rangs que j'avais fait et j'ai refait donc en taille 50-52. Voilà, là il n'y a pas de problème. Donc bon, j'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai dû faire et démonter, mais c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer où j'en suis arrivée. Alors, je vais me mettre debout, ça ira mieux. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'avais fait 72. Non, pousse-toi, Fifi. Pousse-toi. Alors, attendez, je regarde. Alors, 18, 36, 12. Là, il y a. Mince, je ne sais plus combien. Alors, 12, 4, ça fait 16. Après, j'ai 18, 18, 18. Bougez pas. Alors, ici, je suis arrivée à 93 rangs. Voilà. Donc là, je suis en train de monter jusqu'à l'emmanchure. J'ai terminé ici mes augmentations. Enfin, j'en avais pas beaucoup à faire. J'avais une, deux, trois, quatre augmentations à faire. Tous les 18 rangs et le dernier c'était au 16e rang, donc j'en avais 4 et maintenant il me reste 11 cm à faire avant d'arriver aux emmanchures.
Donc cela, bon, j'y arrive bientôt. Voilà. Vous voyez, la couleur, elle est super belle, hein. J'aime bien le motif que ça va donner. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Alors, de derrière, c'est pareil, hein, c'est nickel. Alors, j'ai eu un petit nœud quelque part ici, juste dans, mais c'était dans la pelote. Voilà, je n'ai eu qu'un nœud dans la pelote. C'est le seul nœud que j'ai eu. Mais sinon, la laine est vraiment nickel, nickel. J'ai pas eu de problème avec. Donc là, je suis à ma deuxième pelote. Voilà ce qu'il en reste. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est bien, alors je sais pas si je le vois ici. Ah, bah, je le vois pas. Les deux premières pelotes, mais là, je le vois pas. Mince. Les deux premières pelotes, j'avais pas besoin de chercher le fil, il était déjà sorti. Et là, par contre, je le vois pas. Mince. Bon, c'est rien. Alors, je vais vous basculer un petit peu juste pour vous montrer mon tout petit matériel que j'utilise pour le tricot. Alors voilà, donc ça c'est ma petite trousse que j'ai pour mettre. Alors mes petits compteurs, voilà. J'ai mes petits compteurs pour que je mets au doigt comme ça. Voilà. Et comme ça, là, après, je peux. Bon, là, j'ai déjà mis 88. Après, j'appuie sur le gros bouton et ça me rajoute les rangs que je fais à chaque fois. Alors, j'en ai deux là, actuellement, parce qu'il y avait un moment où j'avais besoin de compter. Pour les augmentations, donc j'ai utilisé les deux. Alors moi j'en avais que je vendais et avant, mais je n'en ai plus. Mais on trouve ça très facilement, hein. Voilà, les petits compteurs comme ça, c'est super pratique. Ensuite, bah, j'ai mes aiguilles, bien sûr. Donc là, je suis en aiguille numéro 5. Donc moi, je prends des très grandes. Hein. J'ai des 40 cm. Je ne sais pas tricoter avec des plus petites. Moi, il faut que je coince mon aiguille en dessous du bras. Parce que sinon, après, j'ai mal dans les poignets. Mes petits bouchons pour les aiguilles. Voilà. Alors, j'ai... C'est ça, voilà ma petite pochette avec tous les petits des petites choses. Alors ça, j'avais eu ça avec une collection pour du tricot. Bon, ça c'est en papier, je crois. Oui, je n'utilise pas. J'en ai une autre dans mon sac. Et alors j'utilise ça pour faire mes arrêts. Mes marqueurs de tricot. Voilà, c'est comme des petites épingles à nourrice. Et moi j'en ai, j'ai des marqueurs à tricot que j'ai en haut, que je vous les montre, que moi j'avais fabriqué moi-même. Voilà, donc j'ai un stop-maille. Et j'ai deux aiguilles, mais bon, j'en ai en métal, hein, c'est beaucoup mieux. Mais là, j'en ai en plastique. Mais là, bon, pour l'instant, moi, après, quand il va falloir coudre, je vais me servir de celle. Là, c'est plutôt gadget. Hein. Alors, par contre, il y a ça qui est bien. Pour les tailles d'aiguilles. Si votre taille d'aiguille est effacée ou quoi, ben au moins vous pouvez remettre dedans, vous savez, la taille de votre aiguille. Voilà. Bon, donc ça c'est une petite trousse gadget, mais bon, que je me sers un peu.
Voilà, mais enfin, ça, c'est bien. Voilà, donc c'est ce que je... J'ai pas besoin de grand-chose. De toute façon, en tricot, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est surtout ça. Moi, ça, je ne peux pas m'en séparer. Parce que sinon, je me perds dans mon tricot si je ne compte pas mes rangs. Donc, j'ai besoin de mes compteurs. J'ai besoin de compteurs comme ça. Pas les compteurs... bon, là, c'est celui-là, c'est vraiment un gadget. Mais pas de compteurs comme ça, manuels. Ça, cela, même pas la peine pour moi. J'ai vraiment absolument besoin de cela. C'est vraiment nickel chrome, ça. Et voilà, et donc je le mets dans ma petite trousse, comme ça, il ne s'abîme pas. Donc, la laine, je vous la remontre. Voilà, là, vous la voyez à l'endroit. Donc, c'est la fil Mikado, fil d'art. Alors, je vous montre. Bon, là, ça fait une ombre, je suis désolée. Voilà, je vais vous montrer là. Les référents, enfin, les caractéristiques de la laine. Et donc, le catalogue que là, je ne peux pas faire sans, bien sûr. Et donc, mes explications. Donc là, maintenant, j'arrive aux emmanchures. Mais il va vraiment vite à faire hein, ce gilet. Enfin, ce gilet. Ce... Donc, à peine 3 jours. Donc, je vous ai dit, j'ai fait 93 lignes, une pelote et demie. Voilà. On verra la fin de la semaine où j'en suis arrivée. Bon, le dos sera terminé très certainement. Et j'espère que j'aurai déjà commencé le devant. Voilà. Je vous montrerai ça. Je vous referai une vidéo ce week-end certainement. Pour vous montrer où je suis arrivée sur ce pull. Voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en referai une. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.